Donc, on met vendredi. Oui, je suis déjà prête et il est midi. Tout simplement parce que on est déjà sorti avec mon chéri. Quelques petites démarches administratives. Et là, on vient de chez Leroy Merlin, on a acheté la fin des bricolages pour faire notre jardin. Donc, on va s'atteler au faire le jardin. Donc là, les loups sont totalement excités. Je vais descendre de nouveau pour qu'ils profitent du soleil. Et puis, on va faire un peu de jardinage avant de... que j'aille chercher la viande du Barfacti. Et puis, après, en rentrant, je tournerai mes vidéos. Donc, présentation d'un scrapbooking. Là, le shampoing en joue beauté. S'il faut que je lave les chiens. Je refasse la cage à Momo. Parce que j'ai racheté ce qu'il faut. Le tournage du hall. Et début du tournage du barf. Que je commence aujourd'hui et finir demain. Il n'y a pas le temps de niaiser. Qui doit être à peu près 15h30 je dirais, donc voilà, je viens de récupérer la viande pour le barf à Kitty. J'ai pas mal galéré à trouver l'adresse, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas qu'un truc d'achat de viande de grand, en fait ils ont carrément une boutique sur place et tout, si on veut aller directement voir un boucher ou quoi, c'est plutôt pas cool, pas mal plutôt. Donc voilà, j'ai plus qu'à rentrer pour pas que la viande tourne, et puis je vais la mettre au frigo et je m'occuperai de tout découper demain et de filmer ça demain. Donc là on a 2 kg de dindono et au fond j'ai les ailes en espérant qu'elles soient pas trop grandes. Non, elles ont l'air d'être de la bonne taille. Je pense que ça Kitty galère pas trop à les manger, elles sont pas plus grosses que les friandises qu'elle avait déjà mangées. Donc voilà, ça va être pour 4 semaines de barf pour Kitty. Sachant que les ailes de poulet, il y en aura carrément trop. Donc voilà. Donc je vais me dépêcher d'entrer avant que la viande ne tourne et retrouver mon chéri qui doit bien avoir avancé sur le jardinage.